Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes donc là ce soir au Triton pour les conversatoires numéro 4. Avec Ricardo Delfra et là, ici ce soir avec nous, avec Alexandros qui nous parlera tout à l'heure, je crois, de l'improvisation, de cette rencontre, de cet objet là ce soir, musical. Et nous avons aussi Anne Montaron qui est là ce soir. Bonsoir. Mais bonsoir, qu'est-ce que je fais là? Mais oui, mais s'il te plaît, mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un peu d'improvisation, moi je viens. Je viens, bien sûr. Ça m'intéresse. Je comprends très bien. C'était très beau ce qu'on a entendu là déjà. Cette espèce de passage spatio-temporel entre une époque, un geste et un autre. Ricardo, peut-être veux-tu parler un peu de ce pourquoi, de ces rencontres, ce pourquoi dans cet endroit, pourquoi nous sommes là. Ces rencontres existent grâce à toi, Médéric, qui a été un peu le médiateur avec les Tritons et les conservatoires, les départements de jazz et musiques improvisées, dont la classe d'Alexandros Barkeas et Vincent Lecuang fait partie, la classe d'improvisation générative, donc les collègues vont parler plus longuement tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est les rendez-vous, comme tu disais, les conversatoires, comme on l'appelait, hommage naturellement à notre ami Bernard Lubat, qui a inventé ces mots. Jeu de boïste. Et on a fait devenir un peu l'intitulé de nos rendez-vous. On est très heureux que ça existe, naturellement, parce qu'on aime bien exporter notre département et nos différentes classes à l'extérieur du conservatoire. Et en même temps, montrer cette passerelle extraordinaire qui existe, et en particulier avec cette classe, avec qui on aura rendez-vous aussi dans un mois, avec une autre classe associée, et qui ouvre en fait le département jazz et nos étudiants à la rencontre avec d'autres disciplines du conservatoire, notamment le classique, et ce soir en particulier la musique ancienne. J'adore cette chaconne, et j'étais très intéressé d'écouter les improvisateurs qui avaient des impressions par rapport à cette chaconne. Exactement. Et cette soirée, ça va être sous cet ordre-là et j'en suis ravi. Il y a des extrémités, il y a des sonorités qui sont arrivées, comme des effets de Larsen. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais c'est quand même de l'ordre du précieux, comme dirait l'autre. J'ai ressenti quelque chose de très, très physique tout à coup, très, 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 très vite. J'ai été attaqué dans mon estomac, dans mes intestins. Pendant toute l'année, quand il y a des rencontres de ce genre dans la classe ou avec nos différents projets, ce qui est formidable, en fait, c'est que des fois, il y a des déclics, des découvertes d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire des jazzeux ou des improvisateurs qui découvrent la musique ancienne ou des instruments comme les ondes de Martenot, et ainsi aussi des musiciens classiques qui découvrent le jazz et l'improvisation. Et ça, c'est possible aujourd'hui au Conservatoire de Paris. On est là pourquoi ? Pour continuer encore à écouter de la musique, je crois, non ? Qu'est-ce qu'on va entendre ? Une œuvre d'Andrea Falconieri, La Suave Melodia. Désolé, Ricardo. Melodia. Et c'est suivi de très, très près par Su Corrente. Donc, il y a les deux violons, le théorbe et la viole. À tout de suite. Et évidemment, un commentaire improvisé juste après. Thank you.
Merci beaucoup pour cette improvisation. On peut applaudir Tom Connell au saxhorn, qui va nous rejoindre, Félix Bassic au trombone, Élie Martin Charrière aux percussions et Joshua Hyde au saxophone et peut-être, je dis bien tout à l'heure, à la flûte. Bonsoir. Bonsoir. Tom, dis donc, j'ai l'impression en fait que parfois l'improvisation, l'écriture, tout ça se mélange. J'ai des moments d'écoute comme ça où j'ai l'impression que les choses ne sont pas si claires. Est-ce que dans la vie, c'est plus clair? C'est pas simple. Ce qui est oral, ce qui est écrit, ce qui est prémédité, ce qui est improvisé. Alors, on fait la musique comme on est dans la vie. Tu improvises, Tom, tu joues de la musique écrite. Comment ça se passe est-ce que cette limite comme ça bouge? Comment ça se passe lorsque tu appréhendes l'un et l'autre? Bah, je crois qu'en fait tout est relié, parce que quand on fait de la musique, que ce soit de la musique écrite ou de la musique improvisée, le but est de raconter quelque chose. Et moi j'ai un cursus d'abord classique, même si j'ai toujours fait depuis tout petit l'improvisation. Ce qui est intéressant, c'est que en fait l'improvisation, ça nourrit aussi beaucoup de choses dans la musique écrite, parce que ça permet de... On a plus cette partition qui nous bloque et qui nous oblige à raconter quelque chose qui existe déjà. Ça veut dire qu'on va raconter quelque chose qu'on invente soi-même. Mais ça va du coup beaucoup aider aussi dans la musique écrite, donc dans l'interprétation, dans comment on a envie de faire sonner les choses, comment on a envie d'avoir, quels sons on a envie d'avoir, quelle histoire on a envie de raconter. Donc je pense que les deux sont liés, extrêmement liés en fait, et très complémentaires. Anne. Oui, je pense que ce qui est intéressant dans ce rapport entre l'écriture et l'improvisation, on vient d'en avoir un exemple là, c'est que finalement, les partitions qui étaient sur les pupitres là, de cet Italien d'autrefois, au départ c'était de l'improvisation, elle a été peu à peu fixée sur le papier, mais toutes ces chaconnes, ces passacailles, toutes ces danses des temps anciens, elles étaient d'abord improvisées par les musiciens qui savaient tout faire, ils savaient improviser, ils savaient jouer la musique des autres et ils savaient aussi écrire la musique. Donc finalement là, c'est l'inverse qui se produit ce soir. Les partitions, elles sont sur le pupitre et les musiciens improvisent autour. Et je trouve ça beau, finalement, ce jeu d'aller-retour permanent dans l'histoire de la musique et pas que de la musique, des arts d'une manière générale. À savoir, on part de quelque chose de pas du tout figé, qui est totalement spontané et libre, à quelque chose qui peu à peu se fixe. Je dis pas se fige, mais se fixe. Et puis là, on arrive ce soir à quelque chose qui est fixé sur le pupitre et autour de quoi on improvise. Et voilà. Je pense que c'est le but de cette classe de Alexandros et Vincent, c'est d'ouvrir sans arrêt, d'oublier peut-être la partition, de la mettre de côté. Et puis, quel que soit son bagage, qu'on soit musicien de musique ancienne, je crois que par exemple Elsa, elle pratique différents types de musique. Pareil pour Tom, qui navigue entre plusieurs styles de musique, hein, je crois. Voilà, jazz et puis musique contemporaine, musique classique. Voilà, c'est de faire le lien entre tout ça via la pratique de l'improvisation. Oui, tout à fait ça. Notre but, c'est avant tout de penser le son et de voir aussi jusqu'où peut aller notre pensée à travers le son. Et de voir aussi comment on interagit les uns avec les autres. Mais là, ce qu'on présente ici et ce qu'on a essayé un peu de faire, c'est de retrouver cette tradition du commentaire. Avant, dans les concerts de musique classique, un pianiste qui jouait une sonate de Mozart et après allait jouer une sonate de Beethoven, il allait faire une petite improvisation en reprenant les thèmes de la pièce qu'il vient de jouer et en introduisant petit à petit les thèmes qu'il va jouer à la pièce suivante et puis en modulant de la tonalité de la première pièce à la deuxième. Évidemment, nous, on ne fait pas ça. Tout à l'heure, Médéric a parlé des voyages spatio-temporels, c'est exactement ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on vit une époque
qui contient toutes les autres. Pour un enfant ou qui ne connaît pas peut-être l'histoire de la musique, il écoute ces deux choses-là. C'est des choses qu'il écoute ici et maintenant, peu importe si ça a été écrit 300 ans avant. Et moi, j'aime bien ça. C'est comme ça que j'ai vu la musique. C'est comme ça que j'ai fait des rêves que, je sais pas, que Bach avec Ravel et avec Coltrane boivent un coup au bar d'à côté et qu'on peut vivre les humeurs musicales comme ça. C'est ça vraiment qui me fait plaisir de voyager dans le temps et dans l'espace. De manière comme ça, presque anarchique. Et nous allons donc continuer. Nous allons écouter une œuvre du même compositeur, je crois, d'Andrea Falconieri, Il Rosso Brando. À tout à l'heure. Merci à vous, merci beaucoup. Nous allons donc accueillir Elsa et Ajay, s'il vous plaît, et Vincent. Oui, bonsoir. Bonsoir, qui est là, qui nous a rejoint également. J'ai l'impression qu'on a commencé par quelque chose qui est justement, je disais, atemporel. Vous avez commencé par l'improvisation, directement, j'ai l'impression. Non, c'était du Falconieri. Alors voilà, j'apprends non, on invente tout de suite rien, hein. Quelque chose. Mais oui, mais exactement. Mais en plus, je regarde plein de choses, j'écoute plein de choses, et à chaque fois, je me dis, mais en fait, tout n'est que transformation, tout n'est que reprise, tout n'est que. Oui, quand on a travaillé ça, en fait, on s'était dit bon, il faut qu'on on a envie de dialoguer donc entre deux façons de voir la musique, et donc bah
à l'époque baroque, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait effectivement ces morceaux d'écrits, mais oui. un compositeur ne jouait jamais sa musique exactement comme écrite. Déjà, il y avait des reprises qui permettaient d'orner, de faire pas mal de choses. Oui. Et puis, on pouvait aussi préluder avant un morceau. Et donc, en fait, c'est un peu ce qu'on a fait pour ce morceau-là. C'est passé exactement, ouais, ouais. Quand on fait purement de la musique baroque, quand on fait la reprise, elle est mesurée. Donc, il n'y a pas de question de savoir quand est-ce qu'on repart. En fait, enfin, quasiment pas, mais enfin, on sait à peu près. Oui. Et là, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de choix que d'habitude. Donc, c'est un travail un peu différent. Et il fallait qu'on soit très, très d'accord. Ah, mais c'est ça. Je pense que je parlais presque de gestes de permissivité, quoi. On se permet. Autant dans la courante, on était parti sur le fait que c'était une première exposition de la partition baroque, oui. puis une réponse improvisée, puis baroque, puis improvisée. Autant on a inversé ça dans Il Rosso, sur une idée de Vincent, pour rendre le plus perméable possible justement le fait que qui démarre, qu'est-ce qui inspire quoi. Qu'est-ce qui est au présent, qu'est-ce qui est au futur, qu'est-ce qui est au passé. Et c'est ma porte spatio-temporelle de tout à l'heure, on dirait. C'est une porte battante. Elle tourne ou alors elle revient et tout. C'est un tourniquet, oui. C'est formidable, se retrouver comme ça dans l'avant-l'après et en fait de perdre des repères, de gagner en fait. C'est l'inverse, je crois qu'on gagne en fait en effaçant ces murs. Non, oui, j'ai l'impression en plus qu'en inversant finalement de manière assez simpliste ce qui dans les pièces précédentes était le commentaire et ce qui était la pièce référence, on donne justement à cette pièce écrite presque un tour un peu surprenant, un peu et c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'en parle quelquefois dans les cours en évoquant le début de ce merveilleux film de Tarkovsky qui s'appelle Stalker. Et dans lequel on voit les tout premiers plans sont tournés avec une pellicule très très spéciale et ça se passe dans un espèce de futur hypothétique. Et ensuite, c'est tourné en pleine nature, mais c'est tellement loin de ce qu'on a compris qui était le quotidien dans les quelques premiers plans du film que simplement une caméra qui se balade dans une prairie verte, c'est complètement surréaliste, quoi. Et donc, peut-être que juste avec cette petite inversion, et pour les quelques personnes qui peut-être nous ont rejoints là sur le web et ont juste entendu ça, peut-être que finalement, c'est Falconieri qui a semblé le plus étrange. On va vous retrouver tout à l'heure pour une œuvre de Bieber. Heinrich Ignaz Franz Bieber, oui. Une Passacaille. Voilà, et peut-être ce serait intéressant puisque cette Passacaille est pour violon seul et c'est que c'est Ajay qui va la jouer, que peut-être tu as un mot pour nous annoncer la couleur. Oui, c'est une œuvre magnifique. C'est deuxième moitié 17e, c'est un peu l'équivalent à l'époque, enfin pour moi en tout cas, de ce que Bach aura composé plus tard, la Chaconne pour violon seul. C'est vraiment quelque chose un peu qu'on peut comparer. Donc c'est à la fin d'un long cycle de sonates pour violon et basse continue. Mm-hmm. Et ce qui est étrange, c'est que le dernier morceau, en fait, il n'y a pas de basse continue, c'est vraiment le violon qui s'occupe de tout. Donc, voilà, c'est une passacaille, donc il y a une basse obstinée sur laquelle une mélodie va se créer, en fait. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque, il y en avait une basse, et puis on improvisait des mélodies dessus, là, c'est écrit. Et donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'était de vraiment encore aller plus loin dans le dialogue, puisque on va vraiment avoir des commentaires en direct sur la musique écrite par Bieber. Eh bien, nous allons t'entendre. À tout de suite, Ajay. S'il vous plaît. Merci, Elsa. À tout à l'heure. Merci.
Merci beaucoup. L'improvisation en trois parties. Tu as ressenti ça, Anne ? Moi, je n'ai pas compté les parties. Ce qui m'a énormément plu dans cette improvisation, c'est de voir un théorbe et juste derrière un saxophone et un trombone. Et je me suis mise à la place de François, donc, qui joue du théorbe. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelques années, il aurait pu s'imaginer ? Non, ça, non seulement le problème auditif, parce que ça sonne fort dans ses oreilles, évidemment, mais est-ce qu'il y a quelques années, il aurait pu imaginer jouer, improviser un jour avec un saxophone et un trombone. Et c'est là la beauté, finalement, de cette soirée, c'est que finalement, les instruments de musique ancienne se mélangent à des instruments plus modernes, évidemment. Musique ancienne et jazz peuvent se marier sans problème. Vous avez peut-être en mémoire le cas d'un quartet qui s'appelait Broken Quartet et qui associait deux musiciens de jazz avec deux musiciens des musiques anciennes, musique baroque. Et en fait, quand ils étaient venus jouer dans l'émission à l'improviste sur France Musique, et quand je les avais interrogés, c'était évident qu'ils avaient la même pratique, c'est-à-dire de grille, d'improvisation à partir de choses. Voilà. C'est le même concept, la même idée qui est derrière, c'est-à-dire il y a toute une époque à la Renaissance, pour faire un tout petit peu d'histoire, à la Renaissance, on avait une musique qui était très mathématique et très compliquée. Et arrivé justement à cette musique là du XVIIe siècle, on se dit, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. D'un seul coup, on met juste la basse, une mélodie, et puis on fait de la musique, on improvise, on rajoute des harmonies, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est un petit peu un mouvement perpétuel, j'ai l'impression, historiquement. Oui, on tend l'élastique, on cherche, on élabore, on trouve certainement, mais bon, on complexifie en haut de la pyramide, ça devient difficile, il n'y a plus de place, et puis presque tout s'écroule, ou alors on se déplace et on se dit, on recommence, on en refait une autre. C'est évident aussi ces jeux de va-et-vient avec les musiques qu'on appelle populaires, c'est-à-dire il y a les musiques savantes, les musiques populaires, et finalement ça circule tellement entre les musiciens, entre les compositeurs et le public, et qu'on ne sait plus trop ce qui est de l'ordre populaire, de savant, même si on a des définitions mais qui sont fugitives et instantanées. Ce qui est très salutaire dans une rencontre comme celle-là et dans les classes du Conservatoire de Paris et des lieux où on abat les barrières, c'est qu'on vit dans un pays où on aime beaucoup les spécialités, les spécialisations. On aime beaucoup mettre dans des tiroirs et finalement d'abattre tout ça, d'arrêter de mettre dans des tiroirs et de permettre via l'improvisation à toutes les musiques de se rencontrer, qu'elles soient effectivement populaires, écrites, classiques, baroques, romantiques, parce que les romantiques improvisaient aussi.
et jazz, etc. Tout ça est très, très salutaire et fait énormément de bien à l'âme, nourrit énormément l'âme. Et finalement, ça fait 15 ans que moi, j'anime une émission sur l'improvisation à Radio France. Et j'ai rencontré là les musiciens qui s'expriment dans cette émission et qui s'expriment ce soir. Ce sont des musiciens qui, à un moment donné, ont tout fait. Ils ont joué la musique des autres. Ils ont joué la musique du passé, ils jouent la musique contemporaine, etc. Mais à un moment donné, ils jouent du jazz. À un moment donné, ils ont envie de jouer leur musique. Et leur musique, ça peut être une musique baignée de toutes les influences des autres. Mais c'est la leur parce qu'ils la vivent dans le moment présent. Et ça, je trouve ça beau. Exactement. Et Anne, voilà, on ne peut rien dire après ce que tu viens de d'évoquer. C'est magnifique. Tout ce que je peux faire, c'est présenter tous les musiciens de ce soir qui sont là sur le plateau pour terminer donc cette émission. Merci à toi, merci à vous, merci à tout le monde. Je vais présenter Vincent Galli à l'accordéon, Tom Codel au saxophone, Félix Bakchik au trombone, Benoît Joglot aux percussions. Et aussi Élie Martin-Charrière, donc ce soir, deux percussionnistes batteurs, l'un à côté de l'autre, Joshua Hyde au saxophone. Mais où t'es la flûte ? Elle est là ! Elle est là. Désolé Joshua, je ne sais pas ce qui m'a pris. Elsa Moati au violon, Ajay Ranganathan au violon également, Adrien Alix basse de viol, François Gavel, théorbe, guitare baroque, Victor Aubert à la contrebasse. Merci à vous tous et toutes d'être là, merci. Au Triton, et à très bientôt. Thank you.
Thank you.